Quand on parle de lecture, on parle de livre. Et la première lettre de livre, du mot livre, c'est L. L qui veut dire lien. Ce livre a créé des liens entre vous et l'auteur avec qui vous dialoguez en lisant son livre. C'est donc un lien, une relation qui s'établit entre vous et un homme d'un grand esprit qui a voulu partager avec vous à travers un livre. Le « i » de livre peut vouloir dire « idée », car dans un livre, on transmet des idées. Et ces idées peuvent être des pensées et des sentiments. C'est pourquoi les livres nous nourrissent de pensées et de sentiments. Le V de livre veut dire vérification, vérité. Je n'ai pas dit vérité parce que la vérité est absolue. Et nous, hommes, y accédons de manière relative. C'est pourquoi lire est un processus de vérification de la vérité. Excusez le pléonasme. Le V. Après, il y a le R. Le saviez-vous? Ceux qui pensent bien lisent bien. Et quand on lit, on apprend à raisonner. Tous les grands lecteurs savent raisonner. Parce que quand vous lisez, vous cherchez à mettre de l'ordre. Comme l'auteur a mis de l'ordre dans sa pensée, dans ses sentiments, en lisant les livres, vous apprenez vous-même à raisonner et à mettre de l'ordre. Le savez-vous, chers élèves, que le meilleur compagnon de l'élève, c'est le livre. Donc le O de livre veut dire étudier. Il n'y a pas d'étude sans livre. Il n'y a pas de connaissance sans livre. C'est pourquoi cet événement est un grand événement intellectuel qui ne peut réunir que élèves et professeurs. Et je renforce pour vous dire que tout, de la terre au ciel, nous invite à lire. Même Dieu, pour créer un lien entre lui et les hommes, lui avec L majuscule, il leur a donné un livre. C'est la Bible, c'est la Torah, c'est le Coran. Quel privilège vous avez d'inviter Dieu dans votre chambre et de dialoguer avec lui en lisant des livres saints. Nekete, nous le savons, puisque Dieu a commencé son livre saint, le Coran, par lit, c'est comme qui dirait que même les oiseaux, même le vent, même les arbres, même les océans, tout nous invite à lire. Aïe, lisez.